Bonjour, donc ici c'est mon tout premier tuto beauté. Il s'agira de coiffure. Donc j'ai essayé un nouveau produit qui s'appelle donc Préférence Mousse de L'Oréal. Il s'agit d'un produit donc très facile à utiliser. Je vais essayer de le vous présenter à l'écran. Voilà. Donc cette nuance, c'est blanc très clair perlescent. Veuillez m'excuser, mais le paquet a subi un petit peu d'humidité. Donc voilà. Donc je vais vous. Bon. J'ai fait tomber quelque chose. Voilà. Alors, le produit se présente comme tel. Vous avez donc deux tubes qui sont constitués donc du révélateur et aussi du produit colorant associé à une huile. Donc vous prenez le produit, vous secouez une vingtaine de fois et il est prêt à l'emploi. Donc là j'ai laissé le capot diffuseur. Donc c'est un capot, vous mettez dessus et ça fait clic. Voilà, je le range. Ça, ben, comme je suis déficiente visuelle, j'en ai pas besoin. Donc, merci des tutos de YouTube et notamment des blogueuses youtubeuses qui font des super tutos pour qu'on comprenne. La poubelle. Et enfin, vous avez un bas nourrissant fixateur de couleur qui est très grand. Donc qui permettra une utilisation ultérieure, notamment pour la brillance de la couleur et la texturisation du cheveu. Donc je ferme tout ça. Je passe ça sur la table. Alors l'avantage de ce produit, c'est qu'il est hyper simple d'utilisation. Montre en main, je l'ai mis le temps d'un tunnel de pub de télé, donc je suppose pas plus de 4 à 5 minutes. Ce produit ne coule pas. Certaines utilisatrices avaient signalé une certaine odeur qui devait obliger à ouvrir la fenêtre de toutes les façons. À chaque fois que j'utilise ce genre de produit, je le fais toujours parce que j'ai un petit chien et que mon chiot n'a pas à subir les émanations de ce genre de produit. Donc une demi-heure tranquille, j'ai rincé. Alors le cheveu a très bien réagi vu qu'il crissait, donc ce qui est assez de bonne santé sur le cheveu. Ensuite donc j'ai appliqué le fixateur. Alors là j'étais complètement bluffée par ce produit parce que en effet il texturise bien le cheveu, le stabilise et dès le rinçage vous apporte un toucher vraiment très doux. Et pardon, je trouve littéralement que ça fait un rendu comme quand vous sortez chez le coiffeur. Donc c'est vraiment véritablement un produit performant. En plus il me reste, donc je pourrais refaire une couleur avec. Donc même si le prix est un peu onéreux à la base, ça permet de s'en servir à nouveau. Donc c'est économique, quelque part un peu écologique parce que ça évite de jeter. J'ai même récupéré les gants en plastique. Donc voilà. Pour une fois, moi qui ai des mains toutes petites, j'ai réussi à avoir des gants en ma taille parce que d'habitude, je flotte dans les gants. Donc c'est pas tellement pratique. En ces temps de crise, surtout pour celles qui ont l'habitude d'aller chez le coiffeur, c'est une très très bonne alternative. Idéal quand on va en vacances, bon, ça permet de retoucher ses cheveux.
Si dans la famille vous êtes à deux ou trois femmes, par exemple, genre qui avaient des cheveux courts, c'est pas pratique. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est que en tant que déficiente visuelle, malvoyante, je trouve que c'est vraiment un produit hyper, hyper, hyper facile à d'utilisation. Et même une personne en situation de handicap dans son fauteuil qui est très fatiguée, ça lui permet d'être assise sur sa chaise, faire ses cheveux, les rincer, de procéder à son habitude. Donc ici, je viens de procéder à un brushing. Donc pour que qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, quant au résultat, je n'ai pas mis de laque fixatrice. Donc moi, j'ai l'habitude de prendre la lunette fixation forte de L'Oréal. Donc voilà, c'est un produit que je recommande à toutes. Véritablement à toutes. Et en plus de ça, c'est hyper facile à rincer, c'est très agréable. Donc voilà, donc je ne suis absolument pas déçue de ce produit. Donc je tiens à dédier ce clip à Marie la Myope, dont j'adore la chaîne tuto sur YouTube. Et aussi une petite nouvelle qui s'appelle Charlotrion, qui elle-même a fait un tuto sur ce produit. Voilà les filles, bon, je vous demande toute la plus grande indulgence qu'il faut parce que c'est mon premier tuto. En plus de ça, ma webcam, ça se maintient par une espèce de grosse bande en caoutchouc, donc c'est pas sur trépied, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà. Donc petit à petit, j'améliorerai peu à peu tout ça. Donc merci de votre grande indulgence. Salut les filles et à la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous fais un cœur et je vous embrasse. Et je vous envoie le bisou.